Eh bien, bonjour à tous, c'est Chris Gaming, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le 47e épisode de notre série Space Engineer Stargate. Alors, comme vous le voyez, on a rendu l'Aurore sur une autre planète. Pour l'instant, il s'appelle toujours l'Aurore, hein, parce que j'ai pas vos retours à l'heure actuelle sur le nom que vous voudriez donner à ce vaisseau. Et on va construire notre plateforme d'armement, l'antienne, voilà, qui est ici. Et donc on va commencer par y placer un bloc, une batterie. Merde, pas bon, il faut d'abord que je passe la batterie. Réfléchis. Ah ouais, mais c'est compliqué du coup ça. Ah ouais, c'est chaud. Ah oui, en fait, c'était pas la bonne idée qu'il vient d'avoir. Parce que si je me mets pas tout à fait comme il faut, est-ce que là ça va le faire ou pas? Non, ça me fait pas. Bon bah faut que j'essaye de relier mon vaisseau jusqu'à ici. Ce qui va être compliqué en fait. Ce qui va être très compliqué. Ouais. Bon bah en fait mettre le plan, enfin mettre le projecteur à l'intérieur, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue finalement. Il y a autant d'ennemis là qui peuvent. Oh cool ça. Bon bah du coup on va aller reprendre un peu d'oxygène déjà pour commencer. Ah oui, bon bah il va falloir que je démonte mon projecteur et que je le mette dehors en fait parce que sinon ça va pas aller. Ça va pas le faire sinon. C'est dommage ça. C'est dommage, c'est dommage. Alors, déjà il y a la station médicale. La station médicale, vraiment, elle est. Je sais même plus où elle est en fait. Elle est là. Je me perds dans ce vaisseau, pourquoi elle est pas là? Elle est pas là non plus. Putain, c'est dingue, dès que je lance le record, le jeu il lag à bord. Ton PC tourne normalement. Bizarre, bizarre. C'est là. Je vais prouver la salle médicale. C'est embêtant ça. Non plus. Mince. Salle médicale. Ah, ça y est. Je me suis perdu dans mon vaisseau. C'est magnifique. Alors, tech. Il reste plus que l'autre, de toute façon. Bah oui, c'est lui, forcément. Évidemment. Si elle avait pointé dans la dernière pièce que je visite, ça aurait pointé là. Et bah non, il est de l'autre côté. Bon, et ben, prenez bien. Pourquoi vous boucliez les roses? J'ai pas d'oxygène qui arrive là-dedans. Ah oui, bon, ça se fait. Ah! Alors ça, c'est pas logique. Ah oui, mais c'est un bloc normal, ça. Ah oui, mais il y a pas ça. Effectivement, c'est un peu embêtant. Ah oui, il va me le reconstruire aussi sec. Ah, zut.
Bon, bah tant pis. Voilà, on se paiera après celle-là. Oui, bah oui, parce que oui, si j'ai pas de... Ok, attends, ça c'est... Non, il n'y a rien. Okay. Autant pour moi. Alors... Bon, bah du coup, on va commencer par ça. Si on veut pas mourir, ça serait une bonne idée, quand même. C'était la meilleure chose à faire. Ils sont où maintenant les blocs d'intérieur? Maintenant. Oui. Par plus, j'ai besoin de le remettre, j'aurais lancé les DX, ça me faisait tout seul. Ok. Alors, on va relancer les dalites. Donc, elle veut construire ça. Et hop, ça va refaire la station. Alors. Il faut que je dépose 2-3 composants. Attention à ne pas mourir tout de suite. Ce serait dommage. Faudrait que je pose les composants médicaux au moins. Voilà. Tac. Ok. Ouais, il faut que je rajoute dedans. Donc. Ouais, bon, ça doit le faire. Normalement, ça devrait être bon. Bon bah un petit retard dans l'épisode du coup hein, c'était pas prévu ça. Pas prévu que c'était pour relier cette affaire. Alors, dépressurisé. Tac. Ok. Alors. C'est quoi comme truc là? Ah ok. C'est plus valide. Ah là là. Regardez pressurise. Regardez pressurise. Alors attends, on va mettre ça, on va mettre ça, et après, démarrer, tac, et enfin, voilà, ça marche. Allez, ouvre-toi, petit. Hop. Bien. Je
crois que j'ai mis le délai un peu long pour l'ouverture de la porte. Donc, hop. Voilà. Il ne reste pas coincé comme un abruti, sans aucune raison. Ça serait une bonne idée. Si les rails pouvaient se bouger, ça serait cool. Ouais, je peux défaire celui-là, il sert absolument à rien. Voilà. Il ne recharge pas d'hydrogène. Bien. C'est un chaud. Ah, ouais, pas dans le bon sens, ouais, c'est pas. On remettra le boulon. C'est pas très grave. Bon, du coup, retournons à notre affaire. Alors, donc. Bon, du coup, sur mon plan, j'aurais quelques modifs à faire parce que. Parce que, du coup. Je vais pas pouvoir. Je suis pas sur une planète pressurisée. Donc, il va falloir que je pressurise ma base. Qui, pour l'instant, ne l'était pas. Un bel casque, Maurice, avant de sortir, c'est du principe. Ça t'évitera de mourir comme une merde, ça serait cool. Attention. Ouvre la porte. C'est quoi cette météo de merde encore sur cette planète? Pourquoi je tombe plus sur des planètes avec des météos pourries là en ce moment? Hop. Et à voir à force. Que d'un esprit. Alors donc, nous disions donc, d'ici, il faut que je pose une batterie. Je peux la lier au sol. Basse. Bah, je les avais tout à l'heure, les cellules d'énergie sont passées. Volatiliser. Ah non, c'est vrai que quand tu démontes un truc, ça te coûte tes cellules d'énergie. Et zut. C'est vrai que quand tu démontes une batterie, ça te rend pas les cellules d'énergie. J'avais oublié ce détail. Détail important quand même. Et oui, pas rapide à me les faire mes trucs. Bon,
C'est impossible de retirer 15 cellules. Mais il n'y en a plus en construction. Ah. Ok, donc. Nous disions donc. Je sais jamais dans quel sens il va se passer. On va le mettre comme ça. Alors donc, par contre, je n'ai rien à voir de ce que je fais. Ah oui, d'accord. C'est pas loin la beauté. Alors, donc. Projecteur, plan, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Retrouvons le plan. Oula, j'ai les plans. J'ai même pas encore chargé le plan et le jeu, il aime pas. Bon, mais pour la suite. Oui, bah si tu veux, il y a des blocs qui manquent, mais je sais le pour lesquels. Alors, mais dans quel sens? Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Est-ce que je l'avance maintenant? Ok, normalement, on est bon. Voilà. Espérons que les dadites se bougent le cul. Ah, donc des dapodapodos. Est-ce qu'on peut virer cette météo de merde, histoire qu'on voit quand même quelque chose? Ah. Bah, ça va mieux, tiens. Au niveau mieux clair. Je me doute que sur vous, après, pour vous, sur YouTube, ça va pas être terrible, sinon. Alors. Hop. Les composants ont été retirés avec succès. Ok. Et là aussi. Hop là.
Alors si les nanites construisent, ça serait bien quand même. Elles n'ont pas l'air de me construire grand chose. Elles ont l'air d'avoir absolument rien à faire. Alors, est-ce que tu m'as appelé ma truc correctement? Eh ben non. En fait, il me l'a appelé de la même façon, je suppose, que le vaisseau. Alors pourquoi je trouve pas la porte du vaisseau? Ah si, ça y est, je vois. Okay, c'est chaud. Non, il m'a mis la même que pour l'aurore. Ok, donc mettre une porte des étoiles dans le vaisseau, c'est pas une bonne idée finalement. Voilà, démonter, parce que sinon ça va me faire bugger mes portes des étoiles. Par contre, là, on va aller vite fait se défendre avant que l'autre m'explose la troupe. Bon, on se calme. Ils sont où mes drones? Reverse. Je peux pas taper le plus près, mais là, il taper le plus haut. Bon, attends, on va rentrer comme dedans. Siège de contrôle, ça sera plus facile. Il est en PLS. Oh, il y a trop de trucs, il est pas. Attends que mon bâtiment soit opérationnel, ça va te faire. Ça va te faire plus grand. Oh, les lags. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. Ah, il est magnifique ce jeu. J'en ai que deux qui tirent en haut. Franchement, j'y comprends rien. Ça tire vraiment de façon très bizarre. Ces drones-là, ils tirent vraiment de façon étrange. Est-ce qu'ils me construisent ou pas? Ils ne construisent rien du tout, ils s'en foutent. Si, ils me construisent. Ben, il suffit que je vienne avec un vaisseau qui n'a pas d'arme, vraiment d'arme défensive, pour se faire attaquer dans tous les sens. Et surtout celui moi qui tire sur le vaisseau. Bah ben, oui, mais normalement ils sont censés tous tirer, c'est ça le problème. Ah ben, là, il y en a un peu plus qui tirent.
Là, je me fais attaquer dans tous mes sens. C'est magnifique. C'est vrai que j'aurais dû dissocier les ceux du bas et ceux du haut. Là. Il se regarde d'avoir arrêté de tirer. Le vaisseau qui était le plus proche est mort. Bon, il y a des kamikazes drones là-haut, mais bon, pour l'instant. Lui, il jette pas trop. Alors, il y a encore un truc qui m'attaque. C'est quoi qui m'attaque? Ah si, c'est les kamikazes drones. C'est pas sympa, ça. C'est pas très sympathique. Covid drone détecté. Bah tu m'étonnes, j'ai compris qu'il était là. Décidément. Pour être tranquille 5 minutes. Ah oui d'accord, je comprends pourquoi le kamikaze donc il s'est carrément jeté sa bouclier. Il est fou. Sont fous ces drones. Ça c'est l'inconvénient d'avoir un vaisseau qui n'a pas de défense automatique. Il te faudrait quelques tourelles pour détruire juste les missiles, ça t'économiserait un peu le bouclier. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais bon, après, c'est pas grave, c'est pas le faire. Oh, ça fait mal ça. Ok. Wow. Oui. Je suis mort sans que mon vaisseau prenne un seul dégât. Alors ça, c'est quand même excellent. Ça, c'est quand même magnifique. Du coup ça c'est pas ça, ça c'est quand même exceptionnel. Mort par souffle de par le souffle de l'explosion. Ouais mais bon à travers les vitres c'est quand même chelou. Mais bon. On va éteindre les drones du coup parce que là pour l'instant ils tirent encore. D'accord. Oui, il a des pompes comme ça, mon truc. Les drones, arrêtez de tirer. Il y a pas... Ah si, il y en a encore. Hein. Il n'y a que ceux du bois qui tirent. Oh, ouais. Mais c'est pas possible, on se fait attaquer dans tous les sens sur cette planète. Je vais pouvoir construire un jour. Mais c'est pour des petits vaisseaux en plus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais allez-y, faites-nous plaisir. Faites-nous plaisir. Ils se font défoncer, mais ils y arrivent quand même. Enfin bon, si mon bouclier prend cher quand même. Il y a que ceux du bois qui tirent, c'est quoi ce délire? C'est quand même bizarre, ils sont tous censés tirer en même temps. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de s'auto-crash. Oh le con. Ah non. Oh dis donc, oui. Allez. Bien joué. Bon, mais il y aurait moyen quand même que ça se calme un peu et que je puisse construire.
Tiens, mais pourquoi il tire que sur ceux d'en haut et pas ceux de haut? Ça veut dire. Tu tires sur quoi là? Oh, mais quoi, sur ceux d'en haut? Non, mais il y en a deux en fait qui sont à côté pour prendre des. Oh là là, mais il y a trop de monde. Où tu veux que ça aille? J'ai à peine d'atterrir sur la planète, j'ai des ennemis de partout. Et il y a encore un Kerpop là-bas. Tu sais. Ok. J'ai tous ceux du bas qui ont tiré et pas ceux plus haut. Sont quand même nettement moins efficaces que les autres drones. Ouais, c'est du bois, il y a beaucoup de temps en fait. Je sais pas quoi là. Ah mais il vise l'autre, mais j'en ai trois sur la tronche. Ah d'accord, ah mais ouais, non mais impeccable. Tout va bien. Ah alors j'ai un souci, j'ai pas rien qui tire. Si, ça y est. Mais tu peux pas tirer sur ceux qui sont près de toi. C'est trop bon de tirer sur ceux d'à côté. Ouais, finalement, un épisode qui devait être un épisode construction, ça fait un épisode de bataille spatiale. Bon, c'est pas mal aussi, hein. Ça change un peu. Ouais, j'ai que ceux du bas qui tirent, allez. Mais pourquoi? Bon, ça m'énerve, il fait ce qu'il veut ce machin. En fait. Et là, j'ai les étoiles. Bon, ouais. Alors il ne tire que celui qui est en haut, celui qui est là sur le côté, il s'en fout complètement. Bon, alors attends, ce qu'on va faire. On va décoller. Comme ça au moins, tout tirera en même temps. Ah oui, par contre, oui, désolé, les drills, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà, pas de bois déjà. Là, qui a déjà pris cher. Voilà, comme ça, ceux du banc vont tirer aussi, au moins, parce que sinon, on s'en sort pas. Mais il ne tire même pas les plus près. Tirer absolument celui qui est là-bas derrière. Oh, il peut être de ses rafales de drone, lui, ça va lui faire beaucoup de drone. Ok. Putain, il se met une bouclier. Ils ont des bons boucliers.
On va jamais s'en sortir en fait. Il y a des vaisseaux de part. Bon, pour l'instant, le vaisseau nous tient. Hein. Malgré tout, ça va. Fermal ça. C'est du fermal. Bon bah l'épisode de bataille spatiale, hein, on fera l'épisode de la construction, ce sera le prochain du coup, désolé. Hein. J'avais pas prévu de me faire agresser dès que j'arrivais sur la planète en même temps. Et la bête que c'était pas prévu de se faire agresser tout de suite. Il est en train de fuir lui, comment ça se passe? Ah oui, t'as des neutres là qui... Ça fait quand même beaucoup d'ennemis au mètre carré. C'est pour ça que le jeu il avait du mal. Je suis trop vieux. Je comprends mieux pourquoi le jeu laguait. Ah, lui, je crois qu'il est en train de tomber. Il tient encore, oui. C'est pas énorme, c'est trop. Et il tire jamais tous en même temps, c'est bizarre. On a des alliés, hein. Pas des alliés, des neutres qui défoncent les ennemis. Je pense que c'est qu'il a comme arme lui, mais eh ben c'est pas évident à tuer des ennemis hein, avec les drones, c'est quand même pas simple. C'est quand même pour les plus simples à buter. Puis il y a un cooldown sur le tir, impressionnant quand même. À mon avis on passe des munitions, on passe énormément de munitions. Bon bah écoutez, je vois que ça fait quand même 40 minutes que l'épisode a commencé, donc on va s'arrêter là. Moi je vais finir tranquillement de m'occuper de ces petits vaisseaux là qui sont venus m'embêter, hein, tranquillement en live, et puis ma foi on se retrouvera au prochain épisode pour commencer la construction du coup. Donc voilà, bah écoutez, si cet épisode du coup imprévu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour la suite. Allez, ciao, bye bye YouTube.